أجول نشوف يسون ونشوف يسكن تغار ديمونش صوار فوت سلفر حدا مقران يدنو غال غرون أمن كيني أم هم دا كلنا رشيد حموتان يدسوا لي مكان ذاكيني مي مالوروزمون أ ديستونس أرد نقيم يذس دونك شو تساوي التليفون سردي كي نسيا هذا نخدم ليكيبمون دو تيل فاسون أدي كي هذه يعني ميزنا على ميسيون مي او ميم طون او نفك تاونيس باش زمرم هذا السيونم سفايبر باش هذا دي كي ميزنا دونك ازولا رشيد مكيت سيليض ما صافا ازولا محمد ازولا مشير لكن كابيلي نيوز لاباس ما يبغى ربي يسمع بل الحمد لله باش ما يوم الحمد لله يشد افكاد الهواء الى وكفور سي دا بون بريزاج بور 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 لو ريست دو لا ان شاء الله الكره المربح ابسوليمون الحلي فوالا Absolument. Même le barrage, ça s'arrête à un niveau le plus bas. Il est allé jusqu'à 16%. 16%. Il est allé jusqu'à 16%. C'est inquiétant, hein? Inquiétant, 16%. Oui. Alhamdoulilah, Inch'Allah, il y a nous, il faut. Voilà, il y a nous, il faut. Enfin, il y a nous, il faut déjà. Et là, il faut les contrôles de l'Outh. Oui, Inch'Allah. Il faut les informations aussi. Oui. Et très bien. Inch'Allah, Rachid. Inch'Allah, ان شاء الله سي سكون سوات فوالا امين يا ربي اسيدي قبل ربي ان شاء الله فوالا ان شاء الله ان شاء الله فوالا سي بصح ابا طربيا دونك رشيد السكيني نكيني بون هضر ديك ديجا دونك هذا ديني اذا شي في نتفق باش هذا دينوي في الناس ليفينمون بيان سور سي ديبار دو زلفاني لاريفي دو بوزيدين ان لو روتور دو بوزيدين عندنا وي كيل كونسيكونس اش هو فهم كي دي ضرا ويا عندنا وي كان لي كومونتير عندنا وي في لا ليغ اون لي 4 بروميير جورني ماتش نول partout ou on bat les deux la deuxième journée le Poisson Souft et dans Strif il a frappé un grand coup des Z l'USMA de Goukham l'USMA de Nouin Raf dernier même la GS Sauran et Dervhan de l'Olympique et Dervhan d'Ilm Diyan voilà deux équipes marques et Dervhan et Goukham نارنسنت انسي ماغران اكود بيسكران دونك ادن فدون داشي تولد ادن فدون في الزلفاني امكي تولد رشيد كشيني لو ديبار دو زلفاني اسكو سيتي انيفيتابل اسكو سيتي ماشي كان انيفيتابل سيتي ايفيدونس وي باسكو لقد تعمد بليك Ce n'était pas normal, sa situation ne prêtait pas réellement à ce qu'il reste au sein de la formation, parce que ce serait un peu aberrant d'avoir un entraîneur qui va passer son temps à coacher à partir de la tribune. Absolument. Donc, comment ça s'est passé, comment ça s'est goupillé, comment les choses se sont déroulées. Je sais que il s'est nécessaire, c'est que jusqu'à la dernière minute, Mlal, il faisait toujours confiance à Zelfani. Par la suite, le résultat est Guylaine contre Borjoire Ridge. Oui. Pas que le résultat, mais la prestation qui a été fournie, elle était loin d'être une prestation à même de rassurer un peu tout le monde. Donc, ça a été un peu, c'était plus ou moins inévitable
le départ à Guy de Zelfani. Même si, au niveau de la direction du club, on essaie de dire, voilà, il a demandé à partir avant, quel que soit le résultat de cette rare, moi j'ai quand même l'impression qu'on aurait dû le dire déjà. Donc, tout la ferro, Idak Ousma Mounatnin, cela l'a joué. Oui. Donc, bon, même si j'ai appris Blik, la direction avait voulu maintenir. Il y a deux versions. Hein. Ouais. Une version qui dit Blik qui voulait le maintenir, une autre qui disait qu'il ne pouvait pas rester parce qu'il faudrait que ce soit suivi sur la feuille d'engagement du club. Ouais. Le dossier d'engagement du club, c'était Fahri qui était entraîneur en chef. Oui. Donc ce n'était pas parce qu'il fallait désigner un entraîneur. Maintenant, Fahri, est-ce qu'il pouvait rester? Ouais. Je ne saurais te répondre parce que il fallait libérer. Ouais. Parce que quelque part, il fallait libérer la licence. Oui. Parce qu'il y a une licence, sinon Bouzidi n'aurait pas pu exercer. Absolument. Même si à la limite, il pourrait exercer le qim tout en gardant cette licence d'entraîneur en chef. Ouais. Et Bouzidi, il aurait été celui qui aurait été entraîneur. Bon, et maintenant, est-ce que Ounatnin aurait accepté ça? Je ne sais pas. Mais bon, le fait est que Bouzidi est malade et puis voilà, ça a été un peu une Oui. C'est ce qu'on appelle un jeu des chaises musicales. Donc, oui. Donc ça a été, bon, tout là, je sais que Mellal, il a été jusqu'au bout de son engagement avec Zoufani. Oui. Donc il est cette victime pour rester jusqu'à la fin. Il n'a pas, parce qu'il a essayé d'introduire Rina Kessini. Il a essayé d'introduire une demande de licence de préparateur physique, oui. Sauf que l'équivalence ni dit oui, elle lui a pas permis d'être à hauteur elle lui a pas permis d'avoir la licence en question. Donc oui. Il ne pouvait pas faire autrement. Ouais. Que de le libérer. Voilà. Ouais, maintenant, est-ce que pour revenir à Ounatnin Smith, Bouzidi, bon, tout porte à croire que Bouzidi était déjà prêt. Oui. C'est vrai, en 24 heures, on a vu Bouzidi. Même pas 24 heures. Il a pris la décision de partir de lui-même. Pourquoi est-ce qu'il y a eu l'évidence? Moi j'ai discuté avec Clary. Donc, bon, maintenant, moi je t'ai dit, est-ce qu'il a. Oui. Quel est réellement le
le problème, le souci, ou là, je ne saurais te répondre à moi. Parce que. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas demandé à ce que la personne. Pourquoi attendre le Bourgeois-Barreuil, dans la mesure où on savait déjà au départ qu'il ne pouvait pas être sur le. Oui. Ils auraient dû l'annoncer. Peut-être qu'ils voulaient aussi. Peut-être qu'ils ne voulaient pas perturber les joueurs. Ils ont gardé le secret pour ne pas. Il a voulu aussi un barreau d'honneur. Voilà. Il a voulu faire un barreau d'honneur. Et à la limite, il aurait aimé partir sur une bonne note. Bon, mais malheureusement, il se trouve que. Oui. Que la note en question, c'est une note. Oui. Qui est plus ou moins salé, il est parti. Enfin, il n'a pas eu le résultat escompté. C'est dommage. C'est la loi du football. Absolument. C'est le professionnalisme. Voilà. C'est tu Smith, tu un entraîneur, c'est quoi? C'est un peu les résultats. Absolument. Les résultats l'aiment, un équipe ou la chétine, il est le premier plaisir à sauter. Absolument. Il n'y a qu'au niveau de Barcelone où c'est le président qui a sauté après les mauvais résultats. Ah oui, hein? Donc, oui. C'était une tâche des choses, non, mec. Non, il a jugé qu'à la limite, il ne pouvait pas donner plus que ça. Oui, oui, voilà. Absolument. Donc, voilà un peu la chose. C'est que il n'y a que dans le monde du football, il n'y a que. Et puis d'ailleurs, c'est pratiquement pas une première, je n'ai pas un peu souvenir de tout. Oui. Mais je sais que une affiche, ça a été toujours le problème, c'est que. Souvent, quand les résultats ne sont pas, c'est l'entraîneur qui paye les pots cassés. Bon, Rachid. Mais. Oui. On nous signale le son chouillant des rires. Je n'ai pas d'autres moyens qui me les livrent. Non, parce que. Moulèche, au lieu de. On va essayer le Viber, il vaut mieux. Il vaut mieux d'être. Vous allez décider. On va faire de petites pauses canacan pour permettre aux gens de nous appeler. Non, on peut continuer à Kagir. Assinir Imajid, par exemple, Arajid. Assinir Imajid, Tahar, Sihamdin, parce que Hachayou, on irait des signaler le son chouillette, dirit. Donc, Mazmeren, s'il irait des signaler le son, il est un peu mauvais, décousu, de nan, pas net. Il y a deux. Oui. Il y a deux, je suis en train de voir, il y a Ounef Bob Martin et Kamel Chik. Voilà, Mais le son est bon. Eh bien, très bien. Donc, il y a un. Il y a 4/5. Donc, 4/5, c'est bon. Bon, là, on est en train de faire notre mieux. Hein. Voilà. C'est les aléas de. Le son est bien. Eh bien, les deux personnes n'ont qu'à régler leur. Absolument, leur matériel. Voilà. Eh bien, très bien. Comme le Wali qui est Rachid, il faut faire un Zelfani, l'arrivée de Bouzidi, un petit Swali, un quiz, Tarsiri Nakini. Non, Nirak, dans cette histoire, quand tu parles à Mazarcini ou même Kamel Hassan, il a été jusqu'au bout de son raisonnement. Oui, oui. J'étais avec lui via la tribune officielle. Oui. Passar, Isra, Zulfani, Chum, Yulia, la tribune, Kamel Al-Khamis. C'est une manière à lui d'exprimer son mécontentement. Puisqu'il a été, s'est engagé, si Zulfani reste. Oui. Moi je quitte. Bon, maintenant Zulfani, qu'est-ce qui s'est passé? Kamel Abdelham, quelque part, il avait raison de dire ça. Hein? Oui. Absolument. Il avait raison, parce que ce n'était pas une situation qui pouvait être
à la dimension de la Giscard. La Giscard ne peut pas se permettre d'avoir pendant toute une saison un entraîneur, un entraîneur sur le banc, plutôt sur la tribune. C'est son rôle, c'est son rôle en tant que directeur sportif. C'est son rôle de dire les choses, la rentrée. Bien sûr, il est dans son rôle. Mais bon, maintenant, l'Irak a fait un il a tenu à aller jusqu'au bout de son, de sa logique. Absolument. Donc, Audi Bouera la licence, mais bon, voilà l'Irak. Le président, il a tenu à cet entraîneur jusqu'au bout. Il était tout à fait inévitable que Zulfani cède devant la logique. C'est pas un problème de, mais qu'il cède devant une logique qui s'appelle une logique. C'est disons que c'est le béaba d'un comportement d'avoir ça. Mais bon, l'Irak, se sachant dans l'impossibilité de continuer de façon normale. De continuer normal. Bon, peut-être qu'il a voulu, partir sur une bonne note. Si comme il le dit, le chargé de communication de Giscard et de Blic, il avait averti deux jours auparavant. À la limite, peut-être qu'il voulait partir sur une bonne note. Ça lui aurait fait quand même un plus dans sa carte visite. Absolument. Mais voilà, assez d'un seul, quand même, il s'est clair, il a cherché des noms dans le c'est quand même. Voilà, donc, d'un seul, il s'est clair, il a déjoué des noms et dans le lien avec le départ de Zulfani, comment il sait, comment les choses se sont passées. Samir Rachid, Zulfani n'a pas été limogé. Oui. Zulfani, la direction de la GSK a tout fait pour lui obtenir la licence. Il a ramené des documents, mais comme le DTN, il le refusait à chaque fois, malgré tous les documents présentés. Donc, il n'y a pas eu possibilité. Même les téléphones, ils ne répondaient pas. Quand il s'agit de la presse, il tirait sur une prime. C'est aussi la direction pour lui demander des choses en coup d'état. Donc, on a vu que il y a un acharnement au niveau de la DTN concernant la licence de Zulfani. Bon, même la dernière fois, il aurait eu le diplôme, c'est un master, je pense, en préparation physique. Donc, ils ne lui ont pas délivré la licence. Asmid Dibadoukhdar, l'Arva, Dibadoukhdar, il a lâché la licence malgré les autres documents présentés. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Zulfani? Il est venu deux jours avant le match contre le Kaba. Il a dit qu'il est là, évidemment. Et alors, deux jours avant le match contre le Kaba, ils auront le président, ils auront le TG, ils auront les dirigeants du club. Ils n'ont pas le match équipe. Quel que soit le résultat, ils n'ont pas le droit. Donc, voilà un petit peu. Il faut rétablir les vérités. Zulfani, c'est lui-même, quand il a vu qu'il n'y avait pas possibilité, on était dos au mur, la DT ne voulait rien savoir. Donc, Zulfani est venu, il n'est pas quelqu'un qui a le match à qui, ou bien, quel que soit le résultat, mais il n'y a pas le match à qui. Donc, à l'avance, déjà, il a informé la direction. Okay? C'est bien. C'est un accord à l'amiable entre les deux parties. À l'amiable entre les deux parties pour Zulfani, donc qui avait décidé bien avant le match à Kira Diroh, parce qu'il a vu que impossible d'avoir la licence malgré toutes les démarches qui ont été faites. Donc il décidait bien. Absolument. Pour le reste. Donc en quelque sorte, il a tiré les conclusions de Netsan, Yuelan, Katidinan, Masklarin. Voilà. Am kit walad Rachid. Nkemmel. Nirak le truc de Nirak le Samsung Games de Fanny. Nirak il a voulu balak puisque Kalarek il est venu
Il a vu le président, ils ont discuté. C'est une manière de dire, Malik, c'est comme l'histoire de Jules César, sauf que lui n'a pas vaincu. Parce Voilà. que César, il te dit, j'ai vu, je suis venu, j'ai vu, j'ai vécu, j'ai vaincu. Bon, lui, il n'a pas vaincu, il est parti sur cette note. Il aurait aimé avoir une autre note. Bon, Absolument. mais bon, maintenant, concernant l'histoire liée de la DTN, il fallait s'y attendre. Il faut pas tenir le Guinée face à Oui. Les Tunisiens, ils ont refusé pour la majorité des exercices. Oh Et ce n'est pas un problème de nier pour la oui. Une majorité. question de réglementation. Voilà. Non, mais les Tunisiens, il y a un Algérien qui devait entraîner en Tunisie, on lui a refusé d'entraîner en Tunisie par rapport à cette histoire de Zulfani Ah auparavant. oui, hein? Et bien sûr, ça n'était pas par rapport à cette histoire-là. Il y a eu comme une. Tu sais, c'est un problème de guerre de. Je ne dirais pas une guerre de tranchées, mais ça reste une guerre de. Ce sont la fédération tunisienne. Elle a vu qu'il y avait embloqué un des siens. Elle a pris aussi l'initiative de bloquer aussi celui qui devait exercer, alors que Nelsa, et contrairement à Zulfani, disposait de la licence A. Voilà. Kappa. Voilà. On lui a demandé une licence qui n'existait pas encore. C'est vrai qu'on a lancé un protocole pour mettre en place la CAF Pro, mais c'est un truc qui n'existait pas. Donc, où les chiffres la nomenclature de la CAF. Donc, c'est une licence qui n'existe pas. Elle devait être lancée. Il y a eu même un projet de la lancer, c'était au Maroc. Ça, c'est pas fait en raison de cette histoire de pandémie, etc. Mais il y a eu une discussion dans ce sens où il était question que la CAF devait lancer cette licence Pro A. Mais bon, mais Oulachit, malgré Oulachit, la fédération tunisienne, elle avait fait fi de cette situation. Bon. Mais là, le problème de Zulfani, il faut aussi le dire, ce n'est pas propre à la situation n'est pas propre à Zulfani, parce que la CAF n'a pas pris les mesures. Bon, dernièrement, il y a eu une rencontre, il y a eu une rencontre au niveau de la par visioconférence, la commission technique de la CAF qui a organisé par visioconférence, elle a imposé 7 ou 9 critères, mais sans qu'ils ne soient énumérés, pour un petit peu relancer la formation de cette licence, parce que il y a beaucoup d'entraîneurs. Même chez nous, il y a beaucoup d'entraîneurs algériens. Ils sont... Diri, par exemple, il n'a pas la CAF A. Mais il a reçu une dérogation en tant qu'international. Ah, ils sont au pays parce que, autre chose, il y a eu le Wacht, même si il devait entraîner au Maroc, il n'avait pas cette licence et il n'a pas pu entraîner au Maroc. C'est. Oui, absolument. Bon, Adnoual, peut-être Bouzidine, donc l'arrivée de Bouzidine, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire l'arrivée, non, le retour. Disons que moi j'ai accès, moi j'ai écrit l'ex-nouveau entraîneur. Donc, Voilà, c'est bien tout. Il est nouveau, il arrive, je ne sais pas. Franchement, cela lui a fait. C'est un retour, espérons que c'est un bon retour.
Absolument. Il a réussi lors de son passage à Tizi Ouzou la dernière fois. Oui. Il a réussi la mission qui était la sienne, c'était de maintenir l'équipe. Il a réussi à le faire avec 14 points. Et sur les 14 points, il a eu 4 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Voilà. Et puis il a emmené l'équipe jusqu'en finale la Coupe d'Algérie après avoir battu l'Ida Mourouya. Et au final, on a perdu contre la PES en Coupe d'Algérie. Voilà, voilà en tout ce que ça a donné. Il a fait 12 matchs, disons, pour 6 victoires et 4 défaites et 2 nuls. En comptant la Coupe d'Algérie, bien évidemment. Ouais. Donc, cela, bon, il est connu pour être quelqu'un de caractériel, il est connu pour insuffler oui. aux joueurs cette hargne, cette volonté d'aller de l'avant, de gagner, etc. Il met un peu, bon. Mais est-ce qu'au niveau du. Dans le temps, est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Je ne saurais te le dire. Parce que les aléas du football aigui, tout est possible. Absolument. Donc, rien, moi je te dis, demain, il peut être en travail, comme demain il peut se retrouver. Bon, parce que, il est, tu vois, je n'apporte pas ni de critique, ni de ni d'appréciation négative là, mais au niveau de son cursus et de son palmarès, de son parcours, il n'a pas fait beaucoup. Rare les équipes animées que Matas. Voilà, justement, on a remarqué une année maximum, une année peut-être et demie. Même pas une année. Il y a des endroits, 8 mois. Il a fait le nerf, il est parti, puis il est revenu. La seule équipe où il a fait beaucoup plus de matchs, ça a été le nerf. Il a fait, je crois, selon les statistiques, selon les trucs qu'il a dû faire l'autre, il a, en tout et pour tout, pour le net, il a fait 39 matchs. Donc, sur deux, sur une saison et demie de saison. Donc, oui. Voilà. Mais espérons que peut-être que les résultats seront là. Il va. Bon, je sais que sa manière de diriger le groupe, il essaie de tout faire pour avoir le groupe à sa portée. Oui. Il fait un peu de syndicalisme. Donc, les joueurs à la fin de la fédération, même tu les as. Donc, il peut motiver comme ça. Bon, nous l'avons vu quand il est passé à Tizi Ouzou pendant un moment. Et il est passé. À chaque fois, il parlait beaucoup plus de voilà, donc il demande de voilà, il intercède en quelque sorte auprès de la direction Founet. Voilà, d'accord. Voilà. Très bien. Une sorte de motivation pour les joueurs et entre guillemets, il ne faut pas prendre des propos avec beaucoup de luxe, c'est qu'une sorte de une forme de chantage pour la direction. Il est un peu paternaliste par rapport aux joueurs. C'est-à-dire un petit chien. Bon, c'est ces joueurs, il les défend sur tous les plans. C'est-à-dire voilà. Par ricochet, il défend aussi ses intérêts. Voilà. Ça va de soi. C'est une manière d'utiliser, c'est comme l'histoire de dire d'utiliser un bouclier. Oui. Voilà. Très bien. On sait par que Belien y a donc il y a plusieurs fois l'Olympique de Médian, le mot Béjaïa, l'AS Hochelov, l'RC Relizan deux fois. Le mot Béjaïa, il devait prendre, il n'a pas pris.
Ah avant le début de saison, oui. oui. Avant le début de saison, avant Skikda, d'assurer le but, il avait déjà pris la porte. Skikda, Oui, il est parti sur Blabas, il est parti sur la France Bossade. Il a réussi un peu Oui. à Redresser. leur avoir Oui. à redresser un petit peu la situation. Voilà. Absolument. إلا واحد Donc, يسولنا رشيد دي فايبر لا سوسي. اسنسل دا شوف هذا ديني ازول لان واحد يسولن ازول امس الخير ام سعيد امس الخير ازول ام سعيد لا سلام عليك خليفه وقيله انا واك شي خليفه خليفه انسد سوال دا خليفه ولكن اها انسد سوال بروكسل بلا سلام سي بروكسل سي بروكسل وي اليزي الله يسلمك صحيت روح اليزي ولكن كنسقسي لا ريمور ني بونا نبوزيدي ما سا كونفيرم ني غالا زين بوزيدي لي تونجاجي على جي اس كا زين نسي لونترينور سي لوي لونترينور صاي باتير ديار الي اونترينور على جي اس كا D'ailleurs, il fait de la tartura. Zelfani, il est parti. Voilà. Donc, après qu'on retarde dans le Coran. Ça ne m'est pas écrit. Mais il a écrit un délire de nez. Oui, allez-y. Qu'il faut lui faire confiance au gazini parce que normalement, il a de chouk khaddam. Oui. Il a de chouk khaddam. Et puis. Et puis il faut être derrière lui. Oui. Et tu auras. Ou alors le premier match avec Dina Saham ou Saïd. Il n'y avait aucun fond de jeu. Il n'y avait rien qui ressemblait à un jeu. Oui. Vous aurez de chuter vous aurez. Rien du tout. Vraiment, être zappé, Et tu me dis, je vais aller marcher, tu es à Marseille. Vous regardez si vous êtes de mon avis, Non, tout le monde dit, ils ont mal joué. Voilà, c'est pas très fort. On n'a pas vu de tactique, on n'a pas vu de mécanique. Ah, ce n'est que le premier match. Absolument. Mais avec Bouzidi, peut-être qu'il va trouver une. La formule magique. Mais même l'équipe Yannick, il faut pas se mentir. On n'a pas de grands joueurs, mis à part Hamron, mis à part Ben Saïh, mis à part. Mais peut-être avec une attaque Bouzida, que la mayonnaise elle va prendre et puis on va assister à un club qui va nous faire plaisir, Inch'Allah, comme le dit Marseille. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite. Le recrutement, là. Mais je fais une fin à Dar. Akhlifa, en direct. Akhla en direct. Masséad, une question à poser. Il a qu'à te voir. Je suis fin à Dar. Je suis fin à Dar. Je suis fin à Dar. Mais qui c'est où le décan? Parce que on est c'est voilà roh har youtube parce que les on est en contact qui vient avec voilà roh har youtube voilà ça va pas ça voilà on va dire que je me dis là voilà faudre le sujet donc voilà ten merci beaucoup roh har youtube tu vas la sur la carte voilà ten merci beaucoup روح دوايا ضايبة تنمير فيك فوالا ندرو على رشيد بون خليفة يسول دي بروكسل ابارامون يزرع لان كومون اين ساكنين دونك نتكمل دونك بوزيدي توجور اون ريست بوزيدي دونك امكي تسواليض يعني يورا با دو كونسيكونس شونجمون اكيني لي زونترينور إلا ويض أدي السوال إلا ويض أدي السوال قم يدنا رشيد أزول أمودي السوال محمود وقيلة أزول محمود أزول أبدا موعد سعيد
لا أسلمك لا أسلمك. صباح محمود. صباح يا ولد. صباح الحمد لله. لا بكون يا ولد صباح. صباح والله صباح الحمد لله. داش هذا التقصيد أتا حكومتنا رشيد حمود تاني إذن داش هذا الدينيط فوالا داش هذا الدينيط. دونك سيني نشوف لك مثلا رشيد. Oui. Quelqu'un va demander de changer des entraînements. Je pense que c'est pas une bonne affaire pour la GSK. Oui. Comme ça, depuis chaque année, minimum deux entraîneurs. Donc, même j'ai posé la question à Rachid, ça fait un mois. C'est quoi la réussite du budget de la GSK? C'est la stabilité. Tout le monde a raison. Oui, oui. Donc, je pense que le moins grave, le risque et les conséquences de l'équipe, la stabilité. Donc, je lance un nœud, parce que durant l'avant, il a fait un maintien de vos idées à long terme. Malgré les résultats de Mohamed Saïd, mais au moins, ils vont assurer la stabilité d'équipe avec ça. D'accord. D'accord. Tout le monde est justement, donc, Rachid, il a dit, un petit souhait de la stabilité. Rachid, quel est l'exemple de stabilité que tu es sûr, tu es là avec le jumbo jet, je suis arrêté, Rachid, il a fait qu'il y a. Bon, le Zrava Mohamed, c'est que l'on a une aide il a parlé de mayonnaise. La mayonnaise, elle se prépare. Oui. Elle le prend, et puis on la mange. Oui. Le jumbo jet, il ne s'est pas construit en Iran. Oui. Le jumbo jet, d'ailleurs, pour la petite information, Abdelrahman Arbi, il a fait partie de cette mayonnaise qui a apporté le jumbo jet. Oui. Donc, la stabilité, elle est à tous les niveaux. La stabilité elle est au niveau de la direction. Oui. Le Wakhni qui me dira les conditions. Oui. Ne sont plus les mêmes, etc. Bon. Au Sankara, on ne va pas revenir, on ne va pas refaire le monde, comme dirait l'autre. Il y a la stabilité au niveau de la barre technique. La barre technique, le Djamboujet, il s'est mis en place. Stéphane Zimotko, il a fait 14 ans à la Jisque. Voilà. Avec Mehdi Khalef. Oui. D'ailleurs, puis il y avait cette mayonnaise qui prenait. Les joueurs, à l'époque, c'était Mayoyak, c'était des trucs de petite dose. Oui. On n'amenait pas 14-15 joueurs. On a amené 2-3 maximum et puis on faisait confiance aux jeunes qu'il y avait autour. Ouais. Sinon, c'est la même équipe parce que tu es obligé de travailler et d'être dans le cadre. Pourquoi ? C'est que, les joueurs malades, ils vont jouer les yeux fermés. Ils n'ont même pas besoin de regarder derrière lui, Blik, je vais citer comme ça, pêle-mêle, pour voir Blik, Maître Baron Fergali, il sait que Bush, il est au niveau du milieu, il vient sur les couloirs solliciter. Isa, Wayne, c'est ce qu'on appelle la cohésion. La stabilité, c'est la cohésion. On ne peut pas parler de stabilité quand tu changes 8, 9, 10 joueurs fictifs. On peut pas parler de stabilité. La stabilité au niveau de la direction ne suffit pas. Oui. La stabilité, c'est au fait, c'est cette symbiose qu'il doit y avoir entre les trois composantes du club, direction technique et joueur. C'est ça la stabilité. Ailleurs, les gens, quel que soit le résultat, bon non, marron, les gens restent. La preuve est cela, Mazar Chili. Guardiola des Manchester, je m'excuse, je reviens toujours en Guinée à l'étranger parce que l'étranger est un exemple. Ce n'est pas, on ne doit pas dire l'étranger est un exemple.
quand tu prends Chini, Manchester City, il vient de renouveler à Guardiola, alors qu'il n'a pas remporté jusque-là la Ligue des Champions pour laquelle il était venu. Une Coupe des Champions qu'il a remporté, plusieurs fois avec le Barça, le Bayern, je crois qu'il l'a pas remporté. Mais ça reste quand tu prends Chini, Alex Ferguson, il prime Karl Dönitz. Donc ce n'est pas un problème c'est pas la stabilité, c'est un tout. Ce n'est pas uniquement au niveau parce que on se connaît, on n'a même pas besoin. Il suffit de se regarder dans les yeux pour comprendre. Voilà un peu محمود سريط ده محمود لا خطا يا الو تصح على بيان اناليزي لا ستابيليتي دونك تقدم مع تاع ديفو وي دونك ديال لو شوا دونترينور il doit suffire de manière réfléchie de moins de 5. Absolument. Absolument. Espérons que cette fois, il y aura une stabilité. Voilà, parce que même les joueurs vont déstabiliser. Dans l'entraîneur, après 3-4 mois, tu vas changer notre entraîneur. Oui. Donc, je pense Inch'Allah, il y a quelque chose qui est la stabilité de moins de 5. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maxime. Voilà. Pas la guerre, Mahmoud. Ça, merci. Donc, Rachid, ma tu vois, tu vois, كتماتش نول وزرغارة وخلا تكفري ناس سيدي سوالا سيدي نسل تكفري ناس أزولة تكفري ناس لا أسلمك أزولة دمور زوف الدوار أم تتسيليد صفا تكفري ناس أسوال في الأول أقلا رشيد حموتان ماس رشيد حموتان دونك أبدا طول سلام تحدى لي ميزة فبول عشاكي فوالا هذا إسلام يكيد رشيد يتسلمت في لك مرحبا سلميك تكفري ناس تنمي دو ليميسيون ألبوبور صغرنا وي أمك أمك أني هاي إيه هاي رجي أسكي وقال نوالا بوربو والله والبوربو اي انت يا مشي هذه كلمه راس زبده في رينيس ايزو زون ديال الصلاح ورس سي فري اي فراسي سور زلام الصلاح سي سور زلام الصلاح انت كلمه راس زف يو سلاد في رينيس زون ديال الصلاح يبقى ساز في بال في باقي خضر واقيلا الدم سورا وسيد سلطة أنا غير رشيد سلطة سيدنا خطي أود سلطة لا ما سلطة أود سلطة يا رشيد استغفر إلى قد سلطة أود يا رشيد أثني هدرك يا هدرني إيه أبغى كذي تقصي أود يا كذي بقول لي روح استقصي هذا ذنب الغم شاهد روح إذا كان ورش صاحب إستوى ما جيسك على جنيد تتابع دي زوفون دو كلوب Même si tu es une jeune fille, je n'étais jamais d'accord, mais tu es un jour. Comment? Oui, oui. Même si tu es une jeune fille, 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 je suis pas contre un jour, mais un jour à la cage de départ, c'est une dernière direct. Parce qu'il y a un temps, il y a un noir sa histoire. Un noir la stabilité de la GSK, c'est les enfants des clubs. دروت لا جياسكا تاع تشرفد اما ذا لونترونور اما ذا جواريس ليك نديس الدمو
Normalement, c'est Israïki. D'abord, il faut pas oublier que la GISCA a été champion avec Jean Yché, que la GISCA a remporté la Coupe d'Afrique avec... إلا قد سمحت إيزلندا نظن التكفاري الناس باش هذا تسلو أسلع على راديو أسلع على راديو فوالا يفو فرير الميسيون باش هذا غي تسلو فوالا هاي فوالا روح بزي يا راشي مدنيو يفو باوبلي que la GISCA, Jean-Yves, la GISCA était champion avec Jean-Yves, Cameron Moissé, il a pris une Coupe d'Afrique, Saint-Jacques, il a pris une Coupe d'Afrique, il y a des joueurs qui ne sont pas de la région qui ont été champions d'Algérie, je citerai Bokadou, je citerai Kamalawi, je citerai Douadi, je citerai un tas de joueurs. Je vais d'arriver comme entraîneur, il n'y a pas meilleur que. Il a parlé de joueurs et d'entraîneurs. On insiste pour l'entraîneur. Pour le moment, c'est l'entraîneur. Les joueurs, bon, c'est normal. C'est vrai, les entraîneurs de Guru, ils se battent mieux que Widerhead et Widerhead et Nidon. Bon, c'est vrai que les. Bon, moi je te dis, les trucs de cru, la GISCA a toujours été marquée par. C'est vrai que les titres qui ont été remportés par la GISCA, ils ont été par Azdine Djoudi, ils ont été par Jafar Harouni, par Mohamed Khalef, par Ali Fergani qui a remporté la Ligue des Champions. On l'appelait la Coupe des Champions. Oui. Bon, mais il y avait Jafar Harouni, mais je te dis que ce n'est pas le premier titre de la GISCA a été remporté avec Popescu, hein, donc, oui. Non, je crois qu'il faut dépasser un peu, cette philosophie. Oui. La philosophie du football aujourd'hui, c'est de ramener les gens qu'il faut à la Martinique. Oui. On n'a pas fait les grands clubs. Quand tu prends les grands clubs en France ou les grands clubs en Angleterre ou en Espagne, ils sont entraînés par des autochtones, hein. ils viennent de partout, c'est pas un problème de... Il faut ramener de la qualité. Oui. Voilà, c'est beaucoup plus qu'il faudrait ramener des entraîneurs à même de donner un truc. Parce que là, Mazarich Bayer, Benkiri, c'est que je sais qu'avant Bouzidi, bon, même si peut-être Bouzidi il était déjà dans la manche, c'est une carte qui était déjà dans la manche de Belém, mais je sais que par exemple, je sais qu'ils ont contacté Sharef et a refusé, je sais qu'ils ont contacté l'entraîneur belge, mais malheureusement avec l'histoire les conditions sanitaires, il ne peut pas, c'est difficile de le faire venir. Ils ont contacté un ancien joueur qui a refusé de... Apparemment, ils ont décliné l'invitation. Bah, ils ont resté... Parce qu'en l'état actuel, il faut dire que sur le marché, il n'y a pas grand monde. Absolument. Voilà. Il n'y a pas d'entraîneur. Et puis, peut-être qu'on a ramené, quelqu'un qui connaît... On a joué un peu sur le fait que pas personne ne connaît déjà la maison. Oui. C'est plus facile. Pour ne pas. C'est plus facile de s'intégrer, de comprendre ce qui se passe. Voilà. Absolument. Disons qu'il n'aura pas, il arrive comme ça, il n'aura pas de truc d'adaptation. Voilà. Donc c'est dans ce sens que tu pourquoi et comment, franchement, je ne saurais te le dire. Oui. Mais bon,
mais ça reste un truc, ça reste une probabilité, pourquoi Boutil, pourquoi Machin. Moi j'estime que Essegui ou Neuf, si on a ramené Bouzidi, c'est Schmerdi, c'est la solution qui s'était présentée à absolument. سلاد بدا تكفرين أساسا سلي تكفرين اسمه سلاد راه خطا تكفرين أس أس يا سيد رشيد أس جست أش ما غادي ني أها هكا عندهم روح إيه لا بدينا في لونتوني إترونجي أما جيجا أما شايا ليبوك إيه يا با دو ستابيليتي دو ريزولتا خاصة هذا يبغون غاني لا كوب لا جو با أبري لا ني بروشين ولا إيش Koudine. Et par contre, avec les entraîneurs de la GSK, les enfants du club, même à Moussa Saïd, même Jamel Mennad, même Haroni à l'époque, Smith Ndoudi, tout ça, il y avait la stabilité, sa stabilité des résultats, plus ça a duré des années. C'est qu'il y avait ce dîner. Mais par contre, avec les anciens entraîneurs étrangers, il y a un résultat, oui. L'année, il va faire un bon résultat. Après, ça ne suit pas. Ils n'ont pas survécu à l'année d'après. Tous les entraîneurs qu'il y a, ils n'ont pas fait à Wakatara. Voilà. Il faut que ce soit le titre, ce soit le numéro de Yara. Voilà. Il n'y a pas de stabilité. Voilà. Malgré les résultats qu'il y avait. Voilà. Malgré les résultats qu'il y avait, il n'y avait pas de stabilité. Ils ne sont pas. La seule stabilité qu'il y avait, je le dis encore une fois de plus, c'était avec Aïd Khalef et le Djamboujit. Sinon, pour le reste, il n'y avait pas de stabilité. Le seul qui avait plus ou moins gardé une certaine stabilité, on va dire, est reparti, c'est Jafar Rolé Farahmarbi. Après le titre, on a eu la Coupe d'Afrique des coupes. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de stabilité à proprement dite dans tous les entraîneurs, sur le ils ont remporté un titre, mais ils ont quitté, ensuite ils sont revenus. Tous comme ils sont. C'est une question peut-être d'argent, quelque chose comme ça, non, je ne sais pas, la personne qui était à l'époque de la formée, je ne parle pas, je préfère m'incliner devant sa mémoire et puis d'accord, c'est tout. Mais je te dis, en termes de stabilité, à l'époque, la seule stabilité qu'il y avait, c'était celle de UNEF, du Jumbo Jet avec Mahedine et Stéphane. Mais sinon, pour le reste, je suis désolé, il n'y a pas eu de stabilité dans ce sens. Non, l'équipe, il suffit de prendre les statistiques de l'équipe, tu vas voir, l'équipe, elle n'était pas aussi stable qu'on le pense. D'accord. Donc c'est toute une il y avait cette philosophie, il y avait ce truc. Oui. Mais sinon, sur le plan du statistique, du moins, ce que j'ai comme ça de tête, il n'y a pas eu cette On passe à autre chose, il vaut mieux. On se zèle, Seigneur Darajdi, pourquoi on prend pas l'exemple de Passiala, de monsieur Smith, de Jean Bouget? Pourquoi on prend? Ça fait aussi les mêmes erreurs du passé.
تكيد كيف جاوب غير فاتر مخي الدين حالي مخي الدين خالف سي صا انا خطر شو فوالا قدمو تامر ديك سيدي والله قدمو انا كنعرف لو نعمل قاع نمشي شويه قدمو ابا تنميرتيك ميرسي تكفري الناس سليطه سي دراشي دراشي تنمو بوركوا اون بريم اون بريم با ليكزوم دو جام بوجيت de le puisque la la stabilité ça c'est tout responsable de prendre l'exemple sur les autres oui mais aussi il y avait pas cette non il veut de loi professionnalisme etc. non mais j'étais plus professionnel à l'époque maintenant. Arachid, déjà le joueur, il était stable, il souhaitait. Le joueur, il était stable. Déjà, il a tenir le joueur, il était stable. Il a un emploi, il a un logement, il a des avantages, il n'a pas de soucis, il s'entraîne, il fait des résultats. Oui, non, mais je te dis, il y a toujours eu ça, c'est que, donc moi je vais te citer un exemple, j'ai devant mes yeux pour répondre un petit peu, je vais faire un peu rapidement, j'ai devant mes yeux la liste des entraîneurs qui sont passés à la JSCA, tu vas trouver Mahedine Khaled Thibodeau 77-90, Fergani Stéphane 90-91, Benzfili Bayoussi 91-92 avec la Coupe d'Algérie, Nordin Saadi 92-94, Oudi Ouibouesh Nordin Lokhtani, Harouni 94-96, il avait pris une Coupe d'Algérie, il avait pris un championnat et une Coupe, une Super Coupe, une Coupe d'Afrique des clubs, des Coupes. Brahim Ramadani, Madawel, Kamel Moussa 97-98, Mustafa Biskiri 99-98, Soumadi, Adri, Jacques Guérov, Oumad Belayashi, la finale, il a été remercié, Mahedine Khalafi, la finale, il a été remercié, novembre 2002, alors novembre 2000, avril 2001, Jafar Harouni revient en avril 2001, il lit pas rapidement, il re-succède Kamel Moussa, Jean-Yves Chey, il vient en 2002, février 2002, il part en 2003, Jafar Harouni qui revient encore pour même pas une année, Sintra qui revient même pas pour quelques mois, Azine Joudi 2003-2004, Oumad Sey, il est avec Moussa Saïd, il continue avec Moussa qui le laisse, Moussa qui prend, Christian Coste, Renat Alman, il n'y avait pas de stabilité. Absolument. Il n'y avait pas de stabilité. Un Irak qui avait une seule année, il a Moussa Saïd, il a été champion d'Algérie, mais l'année d'après, il a été remplacé par le Roumain Moldovan, Oumad Youssef Iftissen, Youssef Long, Geiger, Belhoudi, il a pris une Coupe d'Algérie. Il a pris une Coupe d'Algérie, il est parti. Moussa Saïd qui est venu au mois de juin, il est reparti au mois d'août de la même année 2011. Il y a certains, l'explication, c'est le Nagitz Weiber.
on peut pas هذاك نجزمه ولا سنفكا والا ما سولم دونا فاليدين تفيكوني داك هكا تفايون دي انا تورا il faut attendre donc نتفكيد اترجوض ملمي ثلا لوكازيون اكيد نساعدي ما جات تشاورت تعاود تكوبي تعاود فوالا وذا ودي سولنا نظرا هو اكيد سولنا لا سلامه ازول ازول الو بونجور سافا Ça va, alhamdoulilah. Lorsque vous appelez, on peut mettre ce solde qu'un triquet à qui de s'adire. Il faut patienter. On a accepté l'appel INEC, on a accepté l'appel, donc vous patientez, on ne peut pas couper M. Hamouten. Mais j'ai qui de s'adire à qui nous sommes. Bon, on peut couper lorsqu'il faut que l'explication INEC, mais on ne peut pas lui couper. Pendant les explications, ben j'ai de ça dire avant. Vous qui portez un exemple, oui, dans la décision Z, il faut patienter, il faut avoir la patience. Un tricounet, ça veut dire on a validé, on a raccroché, on a décroché. Vous êtes chez toi, chez toi, qui de ça dire. Donc, vous avez dit ça, on est dedans. Donc, M. Belkacemi, c'est Amine de Montréal, c'est juste c'est qu'un kiné, j'ai baissé le son de la télévision et j'ai cru qu'il y avait un bug. Parce que c'est pour ça que je vous rappelais. Enfin, vrai, j'étais pas en train d'insister, c'est juste j'ai cru qu'il y avait un bug, c'est tout. Parce que j'ai baissé le son de ma télévision, donc je regarde pas la vidéo du YouTube sur les râles. Donc je savais pas, enfin vrai, c'est désolé. Malish, bon, passons d'achit vrai d'artidinir. Donc, j'ai envie de poser, on va dire, deux questions à M. Rachid Hamouten. Oui. Donc, la première question, c'est quoi les objectifs réels de la JSK? C'est quoi les objectifs réels? Parce que depuis deux ans, trois ans, dans la Coupe d'Algérie, championnat, mais maintenant, c'est quoi les objectifs réels? Et deuxièmement, je voulais poser une deuxième question, c'est que en cas, on va dire, en cas de... par exemple, si la JSK ne... Ou si il y aura l'année qui n'est le championnat, on a la Coupe d'Algérie, est-ce qu'il y aura des répercussions envers le président de la JSK? C'est tout. D'accord. Merci beaucoup, Emid Saoulod. Merci beaucoup. On doit préciser, peut-être un petit mot, nous sommes des journalistes. Nous sommes liés en rien avec la direction de la JSK. Bien sûr, la JSK, mais en même temps, on exerce notre métier. On essaye de partager avec le public la JSK, y compris la JSK, les responsables de la JSK ou le service de la communication. Ils se veulent déclarer. Donc, voilà. On ne peut pas. Peut-être la question est quel est l'objectif de la JSK? L'objectif de tous les clubs, c'est de gagner les titres. Les répercussions entre le président, on évalue, l'évaluation ou sur la direction de la JSK, bien sûr, il y a un mécontentement, on bat les responsables, mais là, il y a un échec, il y a toujours Youn qui va payer, on bat des noms, on zara. Donc, si Nira Rachid, il est de question à qui il est تم زواروث لشي لوبجيكتيف لا في السنات كيل كونسيكونس سور لا ديريكسيون لا جي اس كا سورتو البريزيدون دو لا جي اس كا سيل يا دي شيك على فان دو لادي اصوات غورك الرشيد تورا كونسيرنون لي زوبجيكتيف Je crois qu'il y a une chose, c'est que tu l'as dit, Mouzouaro, Oui. La thèse, c'est que tout ce que tu viens de dire, effectivement, il n'y a pas un club qui se met. C'est comme un coureur lorsqu'il se lance dans une course. Il est dans la peau de favori, il se laisse aller, il doit aller pour chercher
la victoire. Oui. Donc, maintenant, dans une course aussi, il y a parfois ce qu'on appelle des lièvres, mais qui ne sont pas faits pour gagner. Mais oui. La JSK est un club qui est fait pour gagner. Donc, dès le départ, la JSK se met sur la ligne de départ pour remporter quelque chose. Ça a été toujours les objectifs. Bon. Souvent, on insère comme objectif une Coupe d'Algérie, mais la Coupe d'Algérie, parfois, la Coupe, comme toute coupe nationale dans le monde entier, dans tous les pays du monde, elle est capricieuse. Elle choisit des coins de route, à chaque fois, des livres, des équipes, à chaque fois, et puis, voilà, c'est tout. Mais sinon, une équipe, elle est perd. Il est fait pour partir gagner. Au départ, sur la marche de Serbie, donc les objectifs, c'est remporter au moins un titre pendant une saison. Voilà. Parce que dire remporter Courrèges, HBRB, et puis parfois, il y a des gens qui, à défaut de titre, ils essaient de trouver un classement qui puisse leur donner une ouverture vers une compétition continentale ou une compétition régionale. Donc ils essaient d'avoir un objectif. L'objectif, c'est d'être présent, parce que quand on est champion, on est de fait présent sur le concert international. Oui. Pour l'Algérie, pour les clubs algériens, c'est le concert continental. Et pour le une fois, si on voit que le titre, on ne peut pas le décrocher, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour se classer deuxième, éventuellement remporter une Coupe d'Algérie, pour être deuxième ou troisième, pour faire partie des lauréats qui vont discuter une compétition internationale. Ça, c'est là. Maintenant, quelles sont les répercussions? Il faut attendre d'ici là. Oui. Il faut attendre d'ici là. Maintenant, comme toute gestion, il y a une comptabilité à faire et que le gestionnaire fasse sa comptabilité et qu'il nous décompte, c'est tout. La répercussion, moi je ne serai jamais un truc comme ça. Voilà. Et on ne peut pas les supplier. Donc, je ne saurais. Oui, merci beaucoup, Monsieur Belkhasmi, merci beaucoup à Rachid Hamoutan. Et puis, on est maintenant, on a fait le Covid de Kenny. Et bon fin de journée. Merci, Sahara. Bravo, Khir. تنميس دونك اسيني مقران قصبح شي عيد ميساج دي هنا ان ديسكو جو بو ابلي بيان سور تي بو ابلي مقران فوالا دونك ما تبغي تسول دون مقران فازي يا با دو بروبليم تو ويل بيان فينو ان ديرني ان ودي شي عندي هنا ان الزول الدموع فوزافيز الصون ني با بون. Il y a un retour de son, une image de M. Hamoutan Jolie. Non, c'est qu'il y a un Coran. C'est qu'il y a une image de la Hua, qu'elle soit là. L'image de M. Hamoutan, c'est une photo. Donc, on a fait, parce qu'on fait ça à distance, Yiddish. Le son dit Sfara et Khatar. Yiddish, Khatmar, Daïsawald Mokoran. الو الزول ام قران سمحي لي دفك قاعد اكسبليكي الزول في الاول ارجو دام قران لا سلام ماك الزول راه جد انا انستون كاع دونك وي 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 ولا شغلي داكور راه جد ام قران صبر شي طوح دونك نخدم ا ديستونس دوم داك الرشيد دونك اون بوفي با يوتيليزي افيك لو لوجيسيال كو جوتيليز جو بو با يوتيليزي لو مكسخارن ليماج اي خاطر ليماج تورز زمر هذا ليماج لي ريزيرفي pour le Viber. Or, le Viber, il est destiné et oui, des 10, c'est Wellen. Donc, on a fait le choix. Rachid, il n'apparaît pas. C'est sa photo qui apparaît à côté de moi, qui est sur l'image. Hounoué, ça vous permet d'appeler par Viber. Amer, par exemple, a draïd par Viber. On peut avoir l'image par Viber. Maintenant, Hounoué, vous n'aurez pas le moyen d'appeler. C'est ça le problème. Donc,
Rachid est sacrifié, il appelle une SLS, il téléphone, c'est par Messenger. Khounoui, vous appelez par Viber. Voilà, déjà le problème. C'est pour ça que Soualim dit une photo figée. Rachid, de temps à autre, c'est une animation. La Nikini Soualim Yid, Janine Makagir. Khounoui, Soualim de Viber. Et nous allons le Moukouran tout là. أزول مقران أشحال هيكي تغفض أينك آه لا دفواك يا ما ششادني ناخرا نسوسم آه وي وي فنمك وميم طلع ندام واحد يام بروبلم تكنيك كجف أطير رابور فوق أطنسيو ما سمح ضيي يا ما يتمسي مسيح الموتين يا رتور دسول زرع هذا شو ذا بروبلم. Le son incliné, c'est parce qu'on utilise Messenger sur une autre source de captage. Mais, okay. Mais Weird, Nand, il est bon. Il est acceptable. Il n'est pas bonbon, mais il est acceptable. Voilà. Et laissez quoi choisir, il serait le son Inus. Ou que quelques coupures. Ou peut-être, je suis sûr, c'est dû à la connexion. Et Belagri, en dehors du canton. Belek l'équipement, il n'est qu'à Khatar, il y a d'autres, on nous a signalé le son, il est bon. D'ailleurs, on leur repose la question, il nous t'arrête, mais le son, il est bon. En wali, j'halla di jouven, medle alif, nar dirif, nar moyen. Oui, oui, oui. Voilà. Comme le wali, je suis vraiment... Eh, attends, surtout, je m'attends dans le chine, le son, il y a. Oui. Mais monsieur Hamouten, il se fout, je vois le retour du son. Malheureusement, on va essayer de couper Yedis, Je vais essayer. On coupe, sinon je te rappelle Siakine. Voilà, en attendant, Moukran, en attendant, Bachadat Farachid Siena, en attendant, donc, Moukran, Dachit Vred, Adarti Dinir, Asawad Ghourek. Oui. Et tout d'un, la première question qu'il y a ici, qui n'est pas le mécan. إذن السياسي مسيح كلارين إيش بليتيك يا رزيلينا لم يبلوك الزلفاني وين ترى أنا ماما على رزيلياسي لم يبلى الدم وحين ترى الزلفاني ويتو سرابان دماج سياما أنا حتى نش بدر بسال كنت ربا مي ها Donc, espérons que la GSK sur le plan financier ne sera pas perdante. Non, mais attends, Mais la paresse de la politique, Zulfan, il est dimite de ses fonctions. Il est un résilient à l'AMIA. Donc, un entraîneur dimite de ses fonctions, mais je suis kiff-kiff. Donc, on fait. Mais espérons qu'un l'AMIA, la carrière, est-ce que sur le plan financier, c'est une situation de crise. Donc, les clubs sont en crise financière. Donc, espérons qu'un l'AMIA, est-ce que son terreur sur le plan financier. توت فاسو ما تنضر دعيون ما كل شي طوح مقران برد واسني ادنا ولا توت ما الجوي من وجي فنوان اسبيرو بيان دعني لاشطب باركون ادنا ونين من زمر يلا جيسك سيسان بول داكور مي اشو كان ان شاء الله كارز لا توراتي لا ستابيليتي ميم جو بوز لا كيستيون سي حموتان. Oui. Sur le retour de M. Bouzidi à la maison. Donc, oui. Je suis Tchamim avec le retour de M. Bouzidi. D'accord, Mkoran. Elles ont posé la question, on va essayer de la rappeler sur l'autre support. Donc, Arachid, qui est sur l'autre support, on va aller si ça va marcher. Non? D'accord, ok. Allez, tout de suite, je vais couper des clignes à Daouda. Voilà. Donc, ainsi, c'est Daouda. Eh, un jeune, un homme, ça va y aller. أيا بسلامة يا مخوران تنميرتي ميرسي بوكو ميت سولا يا فودي كارزول أيا أيا بونسواري قال خير سلامة تمام دونك أسنعي وذ الرشيد ما أنسيين غادي تنطفسي هنا جيسبيك سافا مارشي يا با دا ريزون بور كو سان مارش با
normalement l'appel est en cours. D'ailleurs, on aurait dû faire comme ça, des façons, vous allez qu'un s'il y aura un conflit, et hier, les deux, voilà, facile. Azoul Arachid. Azoul Arachid, c'est mieux, Waqila. Normalement, apparemment, il paraît que. Apparemment, tout le ça donne. Oui, sauti qu'il y a des choses, normalement. Voilà. Je veux savoir, c'est-à-dire, tout le monde divine, mais là, le Viber, il est sorti fait de la chatte de l'année. Azoul, on va dire, c'est où elle Azoul. Azoul, là, c'est le mec, il y a une voix. Moussa Diloua. Moussa Diloua, Arachid, c'est le lacet de Moussa? Non. Ou si tu l'as là? Non, non. C'est même une question de cigare. Ou est-ce que Moussa, ou tu l'as là, Arachid? Arachid, Arachid, Adarkan? Oui. Oui. Il y a une question de cigare, même que tu l'as dit à Nawalou. Allô? Rachid, Rachid, ce n'est pas si tu me prends de chez toi la question. Non, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Eh bien, il y a un problème, donc il vaut mieux. La première formule n'est pas tout à l'heure, d'accord. 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 Allô? 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 Oui, oui. Oui, tu vas être de moi. Anoui, tu sais où on a qu'il y a? Moussa. Tu sais, Moussa. Je vois, parce que je suis concentré sur le technique, sur le football. Attends, c'est le voyage. Voilà, normalement, tu as fait de Rachid de Kinyo. Le problème, il y a des gens, on nous signale qu'Arnarid, le son Rachid, il se fait bien, normal. Mais là, oui, l'équipement, c'est un dirigeant, c'est un dirigeant, c'est un dirigeant. Alors, Allah. C'est bien, Mathilde. C'est pas le top. C'est une machine Canal Plus. Voilà. Là, c'est le mec à Rachid. Moussa, avec un peu l'art et nous de faire des choses, etc. etc. Donc, c'est une petite chaîne YouTube. C'est vrai, ça a quand même 38 000 abonnés, plus de 38 200. Hein. C'est une bonne initiative. Voilà. Donc, déjà, c'est Dénida Rachid. À savoir, déjà, Dénida Rachid, déjà, Dénida Rachid. Oui, tu l'as bien. Bon, je vais donner une question, oui. C'est le point de vue. C'est-à-dire de licencier, c'est pas de la démission de l'entraîneur, oui. Qui est le fainéant, même pas 48 heures, tu trouves un entraîneur, je pense, c'est une erreur, à mon avis, parce que recruter un entraîneur, à mon avis, oui. il faut étudier. Oui. Il faut étudier, je suis ça, je suis de la conne, quelle caractéristique que c'est, voilà. C'est-à-dire, mais qui 5-5 est un entraîneur, ça joue chouïa,
Ça se fait pas, ça se fait pas. À mon avis, ça se fait pas. Il faut étudier. Il faut étudier. Mais tu sais, quand on est c'est-à-dire faut étudier à mon avis. Oui. Bon, j'espère bien que Nath Smith Kemal Abdeslam va nous donner des justificatifs comment il a pensé à Smith le nouveau entraîneur. Enfin, on souhaite toujours le bien. J'espère qu'ils vont aller plus loin, c'est tout. Absolument. Bon. Voilà, l'équipe. J'espère bien d'arracher des sièges. Il va nous répondre un petit peu. C'est, voilà. Merci beaucoup. Il serait acquis d'Arachid, il va répondre. Voilà. Arachid. Voilà, je vais écouter YouTube. Ouais. Voilà, très bien, Moussa. Merci beaucoup, Mitsaoulo. أصوات غورك الرشيد دشنا الديني ولا باش الديني كسرناه un peu cette histoire de ils l'ont trouvé tout de suite à mon sens il a dû être déjà préparé donc exactement quelle a été la tournure de la chose Je ne saurais réellement répondre comment est-ce que les choses se sont faites. Oui. Pour la simple et bonne raison, c'est que Oudef, il est vrai que la sérénité avec laquelle Oudef est arrivé dénote un peu que certainement que la personne était déjà en contact. Depuis un moment, donc ce n'est pas fortuit. C'est-à-dire, c'était préparé quand même. C'était préparé. Mais c'était... Quand tu fais une petite lecture comme ça, je dirais oui. Oui. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il en est ? Bon, je sais qu'entre-temps, il faut dire aussi que de nos jours, il faut reconnaître que les entraîneurs ne courent pas en cette période, du moins de la saison. Les entraîneurs ne courent pas les rues. Absolument. Tous les entraîneurs sont pris, tous les entraîneurs se sont engagés. Maintenant, est-ce qu'ils avaient d'autres choix ? Je ne saurais répondre. Oui. Mais bon, ça reste un choix. Il est revenu seul, comment dire, la suite nous dira. Va nous apporter l'éclairage nécessaire. Absolument. Mais sinon pour le reste, est-ce qu'il en est capable de redresser la barre bon, il a fait quand il était venu au mois de février 2018. Oui. La barre, il fallait la redresser, il l'a fait, mais cette fois-ci, la donne a changé. Absolument. Il ne va rien relever dans la mesure où l'équipe elle est déjà en place. Donc l'équipe pour le moment, quand tu vas tirer des équipes comme le Smart qui ont perdu, des trucs, c'est-à-dire que pour le moment, il n'a pas la pression qu'il doit, comme il l'avait eu, Smidraff et Muzuaru. Donc là, il n'aura pas la même. Il ne sera pas confronté à la même situation. Parce que là, Youssef, il a trouvé une équipe qui n'est pas encore affectée moralement comme en 2018, avec tous les problèmes qu'il y avait. Bon, maintenant, il y avait un souci à l'époque, c'était que Winef, il n'y avait pas d'entraîneur, enfin, l'entraîneur était partant. Ça a été tout un micmac autour de cette équipe. Oui. Mais cette fois-ci, chez Bayern-Bi, l'équipe est en place, l'équipe est en train de... Donc c'est à eux de trouver, maintenant c'est à lui. Chez Bayern-Bi, ce n'est pas... il avait un peu, pour ainsi dire, il avait un peu les circonstances atténuantes pour lui. Oui. C'était un coup risqué.
يربح اللهم بارك ويربح على Mais cette fois, quand même, il y a. Rachid, quand même, il y a un grand travail. Il y a un grand travail qui a été fait, on ne peut pas le nier. Même si. Cette fois-ci, il n'y a pas. Parce que nuit était l'histoire de la licence, Zelfani serait resté. Donc. Oui. Il vient, il prend, il trouve une équipe qui est déjà en place, Absolument. Qui a effectué une préparation, à mon sens, que tout le monde trouve un peu une préparation qui est tout à fait normale, une préparation. Mais bon, maintenant, il ne se retrouve pas dans une position où il est là pour le sauveur. Il a une contrat, c'est lui qui me met l'équipe, c'est le résultat, pour dire que souvent dès qu'il n'a pas pris part, c'est le cas de tous les entraîneurs, l'entraîneur ne choisit pas parce qu'il n'y a pas de stabilité. Donc l'entraîneur ne choisit pas son effectif. Oui. Et le Wadi Sawana, le Wadi Sawana Rachid, Assid Densel, Azoul, le Wadi Sawalan. Allô? Azoul. Azoul, le Lawan. Allô? Azoul, la Slama, le Wadi Sawalan. Dirige la connexion, Ine. Azoul. Allô. Azoul, M. Boukassim, il est Aziz Tipperi. Anoua, dis Sawalan. On l'appelle de Paris, Aziz de Paris. Parce que des frères sont sortis comme si les frères, ils coupent le son, Ine. Voilà. Aziz de Paris, il est Aslam Aziz. Juste une question, je voudrais savoir, on a entendu que est-ce que c'est vrai, Mourad Kaouf, c'est tout ce que je veux savoir, est-ce que l'information est juste. Officiellement, bon, à ma connaissance, officiellement des vénères, officiel surtout du coup mais il y a un mais Balek Rachid Islam puisqu'il y a la nomination d'un assistant pour le nouveau coach donc Bouzidine donc Balek Mourad voilà sur la technique on va voir en bas de divine mais sur la page Facebook ou de bonheur ou la fakini mais roh Mourad mais ils ont voilà on zara là pour le moment ou de zara tini mais Rachid balek qui dit jawab Rachid slid khira f Mourad karouf mais roh Mourad le dernier nouvel bon frère tu n'as pas besoin de Les gens, ils sont en train de te montrer la lune, ils sont en train de regarder leur doigt, non. Oui. En désignation de Tizawin, Mourad ne fait plus partie du staff. Oui, absolument. Je sais qu'il devait avoir une réunion, avec la direction pour éventuellement, pour revenir, pour, c'est-à-dire, si tu veux, c'est un petit peu l'histoire... Quitter un amiable, ça veut dire que donc tout porte à croire que Mourad va négocier, éventuellement s'il n'était pas Mourad va négocier son départ. Oui. Il a parce que la différence qu'il y a entre Zulfani, à la limite, la direction du club pouvait trouver toutes les excuses pour trouver pour le limoger de manière tout à fait régulière, c'est qu'il n'a pas de licence, il ne peut pas lui fournir de licence, parce que lui-même, la direction ne s'est pas montrée vache avec lui, il a payé ce qu'elle doit lui payer. Tout comme pour Winnetning, tout comme pour
pour neuf tout comme pour Fakhrini, l'adjoint, il a pris ses billes et puis maintenant est-ce qu'ils sont négociés jusqu'à la fin du contrat, avant le contrat, bon, ça reste les gens qui s'entendent, c'est ça qu'on appelle une résignation à l'amiable. Et justement, Rachid, le fait que روح كمل اوليك فاكن باش نتفاري للسوجي كي لاسيستون بوزيدي دونك يا اي لانفورماسيون كي ني ان ديفون تيزار وين لي نومي اجوان دو بوزيدي شتدون ما من نوتر انفورماسيون هي ماما نوتر هي ماما نوتر اجوان كي دو بياتر سيستي رومان مي ايلي بار جوسكو مو ديسمبر ا لا فاس سي تا كونسيون انتريور دو جون كاتيجوري دو ناس. Donc, Bouzidi va venir avec, apparemment, la direction aurait décidé de changer carrément le staff, tout le staff. Maintenant, je ne sais pas au niveau de l'entraîneur du but, je ne sais pas, mais moi je sais que Bouind, qui a joué à la Vista, il a été champion avec Chaouya, il a remporté les deux coupes d'Algérie avec Luis Badagé. Ouais. C'est un enfant des Isères, c'est l'origine des Isères. Oui. Et il a commencé à jouer à la Vista, bah, il est des Isères, mais il est né, paradoxalement, il est né des Omelbois. Hein. Voilà. Mais bon. Non, ce n'est pas le problème à Oshtmaya, il n'est pas Michelin et Glenn Mouchil, mais il faut dire que le fait qu'on annonce la nomination d'un adjoint, ça suppose que l'adjoint qui était n'y est plus. Ça veut dire qu'Arouf Mourad... Ça reste un Irak. Ils n'ont pas besoin de lorsqu'on te montre la lune, tu regardes la lune, tu ne regardes pas le droit. Surtout qu'on est les journalistes, on s'est souhaité de regarder le Khraïs Tchan, quand même, on a raté un Rachid. Oui, voilà. ماشي كان خار نكوني زيك اسمي لي مزيت هذا اسي مليون هذا سيني اكا ونو دي في ما سيني انا ماني عايشين ما ماشي ماني عايشين ما رد فهم فوالا دونك سي فري اي مين ولا تيزر وين دوكي بون تولا من لانونس هاد سينا لانونس كيني رشيد وزرا ما سيتو contrôle sur le micro, voilà, donc il y a l'annonce Tizarwin nommé adjoint de Bouzidir, donc la GSK a le plaisir d'annoncer la nomination de l'ancien défenseur de la GSK et adjoint des U21 Abdelwahab Tizarwin au poste d'adjoint de l'entraîneur en chef Youssef Bouzidir. Tizarwin a entamé son travail ce dimanche après-midi à l'occasion de la reprise des entraînements. Félicitations pour Wahab. On est ici dans la photo Inès en direct sur Facebook à Katsid Swalim Zakinin, donc de Wakin et de Mas Tizarwin Meilan ou Tsinmaran. Voilà, c'est Monsieur Tizarwin, Dwakin l'adjoint. Donc Meishm Dwakin adjoint, on sera à tour à moins que la GSK choisisse deux adjoints pour l'entraîneur, donc Kadikim Karouf, sinon. Bien sûr, ce sera lui à la place, mais on sera, pour le moment, rien d'officiel. L'essentiel, c'est qu'il y a des salines, des fonds, jusqu'à présent. Plus, il y en a des Kadina Rachid, il y a peut-être un autre adjoint qui va venir plus tard, Kadina Rachid. Donc, on attend, voilà. Donc, je sais que certainement ils vont garder Rodolphe comme préparateur physique. Oui. Peut-être même Omar Hamadi va rester comme pour l'entraîneur des gardiens. Bon. Oui. Mais l'avenir nous dira la suite. C'est pas Sergi, on n'est pas là pour, pour juger. On est là pour constater les faits. Et, oui. Et les faits sont parfois têtus, donc... Absolument. Il faut qu'on se mette à regarder la chose à la voilà. Absolument.
Dina Khan Rachid, bon, est-ce qu'on peut passer à les appels? Mais elle a 25 minutes, mais je n'en sais pas si vous avez un crime. Donc, sur les deux heures, qui nous a 25 minutes, elle a dit oui, je suis à l'actualité. Vous avez il y a quelqu'un qui nous appelle, ou qui Hassan Aït Abdelmalik, Hassan Sel, Hassan Azoul, Mas Hassan. Je souhaiterais longue vie et surtout la santé à tout le monde. Eh bien, très bien. Le problème, est-ce que c'est une source pour. Donc, c'est-à-dire ça va être difficile d'être selon Irachid. Voilà. معليش كاينو تصاطر غير كاينين جي با دو كيستيون بوزي كاين بريميرمون ميت سور فضا سي ان دوفوار دابور سي ان دوفوار الى قيام الصوره هذا الزيغ في لا فامي مغاريسي الله يرحمه باسكو سي كيلكان كو جوكوني سنخس هاف لوغ يدس ميست فاميلت دونك تقدر عرفت مليح. Donc voilà, donc Yarbidjad Baraka, Yarbid Baraka des Washultis, voilà, donc Vergas Dalion, Salamas Inch'Allah, Jinnith, Adis Sarbif Das, voilà, donc Wagi, Madame Zouar, le Hadja Wayad Dunya, Khatar ou Sarah, le Wakhtu Senegiyatan, Khatar, voilà, donc Stand Up, voilà, donc bon, parce que Khalat ou Mazred, plein préparatif d'un stage pour les ex internationaux pour les entraîneurs donc ça ne c'est quoi le mais quoi mais c'est comme par hasard ou alors l'émission est née mais à tout il a qu'il y a un il a voilà quoi donc voilà c'est qui me laisse vous avez le thème de chute oui mais ben que je m'en dans retard donc voilà donc voilà ça a le thème de qui qu'il n'y a pas qu'il n'y a mais bon. Donc voilà quoi. Normalement, bien bon de Aslamay Bouzidine, Yous Bouzidine à la place de Zelfani finalement Irohan. Sinon Bouzidik Chini, Tmel Al Taïd. Non, qu'est-ce que tu vois là? Ou Sinra là? Jamais Mla Lars, jamais. Sincèrement, si je ne me trompe pas, on est là 2018, voilà. Et pour la maintenant là, j'ai jusqu'à la relégation. Oui. Donc, je me rends dîner, je vais dire, mais il y aura le donc, il sert le wax, il y a des sujets parce que. Matching les mêmes conditions, vous avez 2018. Oui. Donc, l'entraîneur a dit à ce moment-là, j'ai ce qu'un Saramas a fait des garçons. Il a maintenant encouragé. Hein, oui. C'est un petit peu trop tôt de parler sur, de dire un bon choix, néanmoins bon. Non, c'est pas comme ça. Donc, il n'y a que le terrain. Oui. Hein, il y a les résultats. Donc voilà, donc une kiné parce que ça game le Hadja, ça se fait chouette quand il y a le Hadja, un kiné le match ni voilà, j'ai jusqu'à le Borj. Wallah, mais chaque kiné il m'a rien dit le match. Le point, ce que je n'arrive pas à comprendre, Ami, j'ai jusqu'à entamer la préparation depuis, si je ne me trompe pas, depuis fin août, début septembre. À l'arrivée, on n'arrivait pas même pas. Même pas car il y a beaucoup d'occasions. Donc, vous avez rien. Donc, pour moi, le match Niwala contre le Borj, c'est. Sincèrement, ce n'est pas de la trompe d'une équipe comme la GSK, ni Raki, on peut. Parce que, sincèrement, le Kaba a bien réussi, surtout dans l'axe du terrain, à fermer le jeu. Oui. Mais bon, bref, chacun y a vu. Oui, oui. Bah, j'espère que le match il va
staff technique qui a analysé. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Donc voilà, j'espère que les prochains matchs, Adeline Garzin, mais laisse le rythme venir. Sincèrement, mais laisse le rythme venir. Le match n'est contre le Kaba. Oui. Mais là, le rythme, ce comportement du terrain, sincèrement, ça va être trop dur. Ça va être difficile pour le reste du parcours. Ça va être vraiment difficile. Ça va permettre de faire le travail. La préparation, ça fait 3 semaines. Ils arrivent à tenir en plus, ils ont raté des occasions de but. Sincèrement, j'ai tenu à féliciter le gardien Ben Bot. Il a fait vraiment un arrêt décisif. À un moment, donc à partir de Einsteiger, Einhoven, vraiment, c'est une carte. C'est pas une critique, mais ça a l'air négatif, mais c'est une critique. Je pense qu'il faut prendre dans l'année à Kniglach. Khatratura, Mathira, dans le car, il a couché. Non, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Si tu veux vraiment, j'ai ce qu'il y a le premier. Le premier round, c'est le rythme nier. C'est pas la peine que tu as le premier round. Déjà, si on arrive à se maintenir, déjà c'est pas mal. À Dadraf, le match nier. La physionomie du match nier. Tout est bon. Les matchs, Inch'Allah, ils vont se suivre. Ils vont pas se suivre. Al-Wali Balak avec Mas Bouzid. J'espère. Donc voilà, je voulais pas vous venir à toi comme ça. Adja, on en a. Adela, oui, qu'en a-t-il le championnat? Le championnat, toi, là, le championnat arraché, toi, là, les résultats, toi, là, l'entente de Sétif qui a frappé un grand coup de Gwyneth, donc, arraché, toi, là, l'entente de Sétif, un très bon coup de Gwyneth contre l'USMA, 2-0. La GS Saoura dernier, à l'extérieur, 1-0. C'est deux équipes qui ont fait quand même quelque chose. Hein? Zachit, voilà. Fela. Il y a un truc. D'abord, je tiens à préciser une chose. J'en ai fait même un article là-dessus. C'est quand ils demandent un peu cette histoire de la Ligue nationale qui demande la PCR, même pour les journalistes. Alors qu'il y a deux éléments, auxquels la Ligue n'a pas pensé. C'est beaucoup plus. La protection civile et la police. Ce sont des gens qui sont sur la même courante. Et ils n'ont pas la Mourtini, les brancardiers, vous avez dit vous avez dit les joueurs sur la civière. Oui. Il touche le joueur, mais ce n'est pas, ça ne veut pas dire le gel hydroalcoolique qu'il est immunisé contre le il n'est pas porteur du virus. Donc ça va être un peu difficile chez nous. Maintenant, pour ce qui est de la première journée, la première partie elle a été marquée par des matchs nuls sur tous les terrains. Et
La deuxième partie, celle qui s'est jouée hier en l'absence des deux représentants. Oui, CRB et le Mouloudia. Le Mouloudia qui a fait match nul au Bénin et le CRB qui a battu l'équipe du Nasr, alors que là on est l'Ahli du Nasr de Libye. Oui. En l'absence de ces gens-là, il y a eu Tikhoutegui, je crois qu'il y a eu un seul match nul. Oui. Sinon, pour le reste, c'est des victoires. Absolument. Donc, il y a deux victoires qui sont acquises à l'extérieur, notamment. Il n'y a pas eu de match nul dans les Khatayn. À ma connaissance, il n'y a pas de match. Il y a deux victoires à l'extérieur, deux victoires à l'intérieur. Deux victoires à l'extérieur et deux, effectivement. Voilà. Parce que les quatre matchs, il n'y a pas eu de truc. L'Irak, ce sont deux équipes. Là, quand on est en train de parler sur l'effectif de la FISC, quand on prend l'effectif du Nain, la scala du. C'est des inconnus. Hein. Oui. On a ramené des joueurs qui étaient, on a marqué les deux buts, c'était un joueur. Hein. Donc, c'est pas quelqu'un qui avait fait du jeu à ses preuves. C'était un jeune petit de qualité. Et je crois qu'au sein de la FISCA, il y a aussi des jeunes, parce que où la parole est un flash. C'est que d'abord, c'est tout con pour l'histoire des entraîneurs. Oui. Les entraîneurs, Ferrer Madel Abar, il n'y a pas de joueurs sur le marché. Les meilleurs joueurs, ils ont été rappelés par ceux qui ont de l'argent. Oui. Donc, les autres équipes, qui sont en train de passer leur temps à crier famine, ils n'ont pas pu trouver les gens au CNR, déjà, il y a des joueurs qui sont en train d'attendre encore leur dû. Ouais. Qui n'a pas été versé. Mais quand je vois qu'il y a la liste de ces jeunes qui ont été recrutés à la GINICA, ils ont tous été des joueurs qui ont fait partie d'une sélection nationale jeune. Ouais. Donc, ils n'ont pas fait, c'est pas d'illustre inconnu. Faut-il rappeler qu'à la GINICA, à l'époque, on avait ramené des joueurs qui étaient aussi pétris de qualité, qui sont venus de petits débutants. On n'a pas ramené de grands noms. Les grands noms, on les a ramenés quand tu le dis du seul main, c'est tout. Mais là, les joueurs, il y a des jeunes, l'intensif, elle a puisé pratiquement au niveau de ces jeunes aussi. Donc il faudrait que les gens connaissent un peu la chose. Moi j'estime que la GISCA a fait un peu. Je pense qu'elle a fait un recrutement valable, mais faut-il que cette équipe-là, que ces joueurs-là aient leur chance, qu'on leur fasse confiance, qu'ils aient leur chance. C'est pas tout. On ne peut pas jouer. Moi, je t'ai dit, des joueurs, je citerai à titre d'exemple. Ben il est venu de Bourgmeil, il était à Bria, c'est un joueur de Bria, c'est une équipe de Wilaya, à côté, juste à côté. Delouche, il était à Moutah, il était passé par Bourgmeil. Il y a des trucs qui transitent comme ça. C'est comme je te souvenais à Simi Kamara, il est venu de la SMS Bourgmeil.
Donc, ce n'est pas un truc. Il faudrait que les gens se mettent un peu dans la tête que Irak a l'équipe, il faut faire confiance aux jeunes. C'est pas ni là que la bande de Mokchimi à Moranim Steve. Les trucs, ils n'ont pas les joueurs de Sitif. Quand je prends Kini Amour à Yagi, il était à l'entente, il était. C'est à l'entente. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs qui. Ils sont tous pratiquement de Sétif. Donc, sur les 25 joueurs, sur les 27 joueurs, il y a sur les licences de Sétif, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, enfin, il y a à peu près une vingtaine. Mais le reste, il vient de petits clubs. Hein. Ouais. Mis à part, il y a deux joueurs qui viennent, un gardien qui vient de Saoura, il y a un joueur qui vient du Moulodia, un joueur qui vient du Mob, Blida, GSM Sigda, l'Ulma, les anciens clubs de Sénat, Ainulmen à côté de Sétif, l'IA Sétif. La GS Teacher, il ne vient pas tous de Yamagra, il ne vient pas tous des absolument. Sur la tente, à part des joueurs qui viennent de y compris avec le réserve. Absolument. Donc, c'est des jeunes. Donc, il faut bien jeunes, préparer. Il faut bien préparer ces jeunes aux classes. Donc, la réussite dépend c'est de tout, la manière de préparer ces jeunes pour jouer le championnat. Voilà. Absolument. C'est tout. Et maintenant, Walid Rachid, un fact soit qui nous met à l'air de manière très claire, et de la Wissin Wawalin, Yuna Aflo CRB, hier, Sinis Winner, ou la Chestakini, Zat Nasser Libya. Donc, deux buts des points Koupko, des Trika Tisarbatash, ou Aydan Nassar, des Trika Fils Stin. Donc, deux manques Servatinus. مازال سكر بيوران بلوس ومن بعد المولود ديال الجزائر يدي قلن دي لو بنان دونك افيك ان ماتش نول انا كونتر بيفلو دو بيرغون دونك دي البنان دي شارع ديني ضاف سنة التربوية كيني ابارمون سون سوليد كوماما ايزون انفا ثورا سوليد سي تنتور بريليمينار دونك ونف كنت اكتشيني ونف انتلسكتشيني لو سي ار بي لا جوي كونت اون ايكيب كي فيان دو ديماري مي سا ريست سي اون ايكيب كي ا اون بوتو كي ا دي بوتونسييل واي سي بور سا باك دي نير سي دي جون كي اون دي نيرا كي نو كوني اون ايتي اليميني L'équipe de la Chana a été éliminée par une équipe en guerre qui s'appelle la Libye. Oui. Les Libyens, ils sont en train de bien. Ils essaient de négocier. Bon, ils viennent de commencer, mais ça ne leur fait pas longtemps. Oui. Voilà, c'est tout. C'est qu'il faudrait que. Le Mouloudia, c'est la même chose. Ils ont joué contre une équipe du Buffalo Yagi. La Marseille, c'est un kiné de l'Afrique. Oui. Parce que c'est dit qu'il y a une fin, c'est un tour préliminaire. Normalement, les tours préliminaires, rares, très rares, pour ne pas dire exceptionnels, oui. Où les équipes algériennes se font éliminer.
Mais sinon, c'est des choses qui sont là et ils font de... le CRB, bon, je te cache pas, j'ai pas vu le match, donc j'ai pas pu, j'ai pas pu apprécier. Bah, mais ça reste aussi le CRB, il a gardé aussi son ossature. C'est tout. Il y a un problème de stabilité. Absolument. Donc c'est tout. Le CRB a gardé la stabilité. Il a privilégié la stabilité. C'est un peu la même chose. Donc c'est un peu le pour revenir un peu à la stabilité. Donc tout est et puis quand tu ramènes des gens qui sont capables de t'apporter ce plus. Absolument. Donc ils ont ramené pratiquement le CRB, ils ont ramené pratiquement 7 joueurs, c'est tout. Oui. Mais ils ont ramené quand même des joueurs de trucs. Tu as Saad Blabas, tu as Moussaoui, gardien de but de Nelpak, Darawi Stif, Belkhiter du club africain qui est revenu, un joueur Ngomboegi qui vient des Pays-Bas, qui est aussi un ancien Nigérian. Tu as l'international béninois, et voilà, et Bakir. Donc ils ont ramené en tout pratiquement 7 joueurs, mais des joueurs dont ils en avaient besoin pour avoir du fond dans le banc. Parce que quand tu es appelé à jouer sur tous les fronts, tu es obligé d'avoir des joueurs de qualité, et que ce soit pour ceux qui vont rentrer et ceux qui vont être sur le banc. Parce qu'à la limite, quand tu as des blessés, quand tu as des suspendus, quand tu as au moins tu as des joueurs qui sont plus ou moins de valeur, d'égale valeur. Voilà, c'est aussi un peu je crois que ça a été un peu tout ça, mais bon. Il faudrait un peu faire preuve de patience, ce n'est que les débuts. Oui. Tu ne peux pas être comment dire, avoir une idée précise. Oui. Comme tu l'as vu, l'USMA, avec tout son potentiel, se fait surprendre par ses types. Oui. Et même son entraîneur qui déclare, oui, dans les journaux apparaître demain, qu'il n'y a pas le feu à la maison. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait... Il y a du boulot à faire, il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, et puis voilà. Absolument. Fischberg, tout ça, on attend pour avoir un peu une idée de la chose. Absolument. Il ne faudrait pas que les gens... donner un peu il faut laisser le temps au temps. Donc... Ouais. Il faut donner un petit moyen, les moyens, bon, voilà, à l'équipe, à la direction, de mettre les moyens qu'il faut. C'est un petit peu ça. Voilà, c'est. Et puis, Inch'Allah, encore une fois de plus, c'est vraiment le Hadja. إن شاء الله أعطانا قيادة رحمة الله إن شاء الله إن شاء الله أتمنى الشفاء وكذا جين قرننا كثيرا ترح ما فوق ولا ترح ما فوق كذا جين مثل نطمع له ديرني عن ذاتي السنة داعا
Je salue sa mémoire, je salue la main, je présente mes condoléances à sa famille, c'est Youssef Ben Hussein, qui a fait partie de voilà. Et aussi, je tiens aussi à saluer la mémoire d'un grand supporter de la JISCA, qui était un grand supporter, c'est Imouthes Seguet Rahman Rabbi, c'est Mustafa Deli d'ici Kaldi. Il était aussi un amoureux, un inconditionné, c'est aussi un ami de Mouhidin Khalef. Donc, à tenir Ahmar Rabbi, vous avez beaucoup de temps. Et à tenir Ahmar Rabbi, Inch'Allah, nous sommes. منوقم الحمد لله من الله والله با تنمرتك رشيد ميرسي بوكو ميد قمضينا واذا كونيني نجاكم ندير خير لنا دي فكر بشفا الموضان ان شاء الله لا جي اس كتزار زات دف فريدي سفريد العالي اكيد تحمل لي سوبورتور النغمره لي سوبورتور لا جي اس كان voilà, c'est ma haute arbre sur le plan technique. On a essayé à ce qu'il y ait un rachid ou l'air d'y d'acquérir le studio. Donc, on a essayé de jongler un peu Messenger, Viber, et net. Là où il est dit, ça va nous faire une erreur ou de se l'erreur et rachid ou une sarrasse et de se nous tenir ou de se l'erreur. La réponse est net. Donc, on va essayer, Inch'Allah, semaine de Doun, à dire les Rachid Yedid Akinir, à dire Soulum dans de meilleures conditions, à dire l'émission au Kvel, voilà. Et donc, qui can Rouni Dinir, ou Nir Jacundir Kharlana, à qu'on dit, mais il a dit, 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 il